Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On va pouvoir commencer tout de suite. Allez, c'est parti pour la première actu. Air Caraïbes mise sur la République dominicaine cet hiver. Air Caraïbes, la compagnie spécialiste des Caraïbes, augmente son offre de plus de 50% vers la République dominicaine pour la saison hivernale 2023-2024. Il lance une campagne de communication multicanaux en Île-de-France. L'objectif est de promouvoir cette destination touristique majeure et incontournable, ainsi que de communiquer sur le tarif unique et l'offre bonus de Miles Preference mise en place par Air Caraïbes pour toute la durée de la campagne du 28 septembre au 30 octobre 2023, annonce la compagnie aérienne française dans un communiqué. Dans le cadre de cette campagne, elle propose une offre tarifaire unique pour les départs de vers la République dominicaine. Paris-Orly-Punta Cana et Paris-Orly-Saint-Domingue, des 649 euros, toutes taxes comprises, aller-retour, et avec son programme de fidélité Miles Preference. Chaque voyage effectué à destination de Saint-Domingue ou Punta Cana fait gagner davantage de miles avec un barème exclusif selon la classe réservée. Soleil, donc classe économique, plus 50% de miles. Caraïbes, Premium Economy, plus 75% de miles. Et classe affaires, 100% de miles. En partenariat avec l'Office de tourisme de la République dominicaine, cette campagne de communication sera déployée sur différents supports et auprès de différentes cibles. Les dispositifs online seront mis en place sur le site d'Air Caraïbes via les newsletters BEB, B2B et B2C sur les réseaux sociaux, à travers des médias en ligne, en point de vente ou encore sur le salon IFTM Top Reza. Les dispositifs online seront affichés sur les quais de métro, sur les arrières de bus et dans 9 gares françaises, dont 6 parisiennes. À travers cette campagne et avec son programme Hiver 2023-2024, Air Caraïbes s'impose comme un acteur majeur dans la desserte de la République dominicaine, déclare spécialiste des Caraïbes, qui proposera jusqu'à 6 000 sièges par semaine au départ de Paris-Orly afin de répondre à la demande de la clientèle appréciant cette destination. À partir du 23 octobre 2023, Air Caraïbes desservira au départ de Paris-Orly Punta Cana avec 5 vols directs par semaine et Saint-Domingue avec 2 vols par semaine via Port-au-Prince à Haïti les lundis et via San Salvador aux Bahamas les jeudis. À partir du 14 décembre 2023, Punta Cana sera desservie par un vol quotidien direct. EasyJet. L'avion fait une rencontre imprévue dans le ciel. Le vol est dérouté. Lorsque cela est nécessaire, les vols en avion peuvent être déroutés à tout moment vers l'aéroport le plus proche. Urgences médicales, problèmes techniques ou risques de sécurité sont autant de raisons qui peuvent être à l'origine d'une perturbation dans les plans de vol. Mais pour ce vol EasyJet, il s'agissait surtout de circonstances extraordinaires, comme l'a affirmé la compagnie aérienne dans un communiqué. Après plus d'une heure de vol, le vol est détourné de sa destination finale. Samedi 30 septembre, à 7 h 15, le vol EZY3411 de la compagnie EasyJet reliant Liverpool à Antalya, donc Antalya en Turquie, décollait de l'aéroport John Lennon de Liverpool. Mais l'avion, qui devait atterrir à 11 h 40, heure londonienne, en Turquie, n'arrivera pas à destination. En effet, après avoir traversé les montagnes des Pennines et le Lincolnshire, l'avion entre en collision avec des oiseaux. Il fait donc demi-tour pour se poser à l'aéroport de Manchester, le plus proche à ce moment, indiquant les données de suivi des vols. L'avion EasyJet atterrit en toute sécurité à l'aéroport de Manchester à 8 h 23 samedi, avec 2 h 47 minutes d'avance.
Face à ce détournement, la compagnie aérienne s'exprime. Dans un communiqué adressé aux passagers, EasyJet, compagnie low cost britannique, déclare « Nous sommes désolés que votre vol ait été détourné. La perturbation de votre vol est indépendante de notre volonté et est considérée comme une circonstance extraordinaire. Votre équipage vous tiendra au courant. » Plus tard dans la même journée, EasyJet confirmera que le vol EZY3411 a été détourné vers Manchester à la suite d'une collision avec des oiseaux et elle ajoutera « Le commandant de bord a pris la décision de se dérouter sur Manchester uniquement par précaution. » L'avion en question avait été inspecté par les ingénieurs conformément aux procédures. Depuis, il est reparti vers Antalya. Bien que cette situation soit indépendante de la volonté d'EasyJet, nous nous excusons pour ces désagréments subis et remercions les passagers pour leur patience et leur compréhension. La sécurité et le bien-être des passagers et de l'équipage sont toujours la priorité d'EasyJet, conclut le communiqué de la compagnie aérienne. Avant de passer à la prochaine actualité, j'aimerais également vous parler de mon absence qu'il y a eu sur ma chaîne Nathalie Favry. Donc sur ma chaîne secondaire Nathalie Favry, j'ai notamment été absent. Pourquoi j'ai été absent? Pourquoi le week-end dernier, donc samedi et dimanche, le week-end dernier, je n'ai pas fait de vidéo sur Nathalie Favry. Donc samedi, samedi, il n'y a pas eu d'histoire Playmobil. Et dimanche, il n'y a pas eu d'épisode de la vie de Tom. Pourquoi c'est la vie de Tom et l'histoire Playmobil a été annulée? Parce que en fait, j'étais parti dans un week-end. Donc d'ailleurs, vous avez peut-être deviné pourquoi j'étais absent le week-end dernier. Parce que regardez, sur les shorts que j'ai sortis hier, donc sur les trois shorts que j'ai sortis hier sur Tontomatis, j'ai été tout simplement regarder le concert de Soprano à Narbonne. Comme vous pouvez le voir, regardez là, vous avez vu là. Voilà, donc j'ai été voir le concert de Soprano à Narbonne. Et du coup, comme Narbonne, c'est pas à côté de chez moi, on était obligé de partir le week-end entier. Hein. On pouvait pas juste faire un aller-retour, on était obligé de partir le week-end entier. Le concert était vendredi soir, mais on a dû partir tout le week-end, comme c'était un peu loin, voilà. Donc c'est pour ça, du coup, que j'ai été absent ce week-end, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo ce week-end, qu'il n'y a pas eu d'histoire Playmobil et qu'il n'y a pas eu d'épisode de la vie de Tom. Enfin bref, désolé pour cette interruption et désolé aussi pour mon absence de ce week-end. Maintenant, passons à la prochaine actualité. Wizz Air. L'avion décolle sans eux. Le voyage de ce couple se transforme en cauchemar. En entreprenant un voyage en avion, les passagers aériens savent qu'il peut y avoir des retards ou des annulations pour des problèmes techniques ou des conditions météorologiques spéciales, indépendamment de la volonté de quiconque. En revanche, ils désapprouvent fortement les réactions des transporteurs. En effet, les clients de nombreuses compagnies aériennes ne cautionnent pas la manière dont ces dernières traitent les passagers au moindre souci rencontré. L'une d'eux, Jade Hill, cliente de la compagnie aérienne Wizz Air, va vivre un véritable cauchemar et ne retiendra que quelques mots de son expérience. Ne voyagez pas avec Wizz Air. Leur avion Wizz Air fera du retard à l'aller et décollera sans eux au retour. Pour leur escapade, Jad Hill et son compagnon de Birmingham en Angleterre portent leur choix sur Budapest, la capitale de la Hongrie. Ce couple volera avec la compagnie hongroise Wizz Air pour un aller-retour les 12 et 16 septembre. Un voyage loin du travail qui ne sera pas si relaxant que ça pour nos deux protagonistes. Au départ, à l'aéroport international de Birmingham, le couple ne subira un premier retard de 3 heures. Nous devions nous rendre à Budapest le mardi 12 septembre et notre vol a été retardé de 3 heures. Lorsqu'il est arrivé, il n'y avait aucun passager à bord et on nous a dit qu'il y avait un problème technique qui ne pouvait être résolu qu'à l'aéroport Luton de Londres, déclare Jad au Birmingham Live. Les passagers n'apprendront les raisons de ce retard une fois à bord. Mais c'est loin d'être le pire. Le voyage de retour a été encore plus pénible, confie Jade.
Au départ de Budapest, une heure après leur début du vol retour, les passagers sont informés d'une collision avec un oiseau qui a eu lieu au décollage. Le pilote annonce une défaillance technique mais aucun dommage. L'avion devra donc atterrir à l'aéroport de Luton car il n'y a pas de maintenance à Birmingham. Cela annonce de nouvelles heures de retard pour les quelques 200 passagers du vol, mais ces derniers ne sont pas au bout de leur peine, car après la maintenance, l'avion décollera de Luton à Birmingham sans eux. Les passagers rentrent en bus. Ils traitent leurs passagers de manière honteuse. C'est ainsi qu'après le détournement, les passagers ont été abandonnés à près de 130 km de leur destination finale. Jade se souvient. L'avion a atterri à 21 h, mais après une demi-heure sur le tarmac de Luton, quelques passagers ont été priés de descendre. Tous les passagers finiront par être débarqués, un agent de bord leur expliquant que l'avion n'est pas sûr de voler jusqu'à Birmingham, car le problème technique était plus grave qu'il n'y paraissait. Déçus et frustrés, les passagers resteront sur place à attendre des autocars qui viennent de Birmingham. Des heures d'attente durant lesquelles la compagnie ne proposera aucun rafraîchissement. Durant cette attente, nous avons vu notre vol Wizz Air décoller et se diriger vers Birmingham. L'avion a décollé sans eux à 22 h 43, précise-t-elle, et est arrivé à Birmingham juste après 23 h, tandis que Jade, son compagnon et les autres passagers n'arriveront à destination qu'à 4 h du matin, soit 7 heures après leur heure d'arrivée prévue. Dénonçant le traitement de Wizz Air, Jade s'insurge. Je ne comprends pas à quel point ils traitent leurs passagers de manière honteuse. Ils avaient 200 passagers à bord, ils avaient 200 passagers, ils ont réservé 3 autocars de 49 personnes. Cela a créé une certaine panique. Souhaitant tout de même garder un bon souvenir de son escapade, la jeune femme affirme: Budapest était incroyable, je le dirai à tout le monde d'y aller. Non, sans manquer de préciser, mais ne volez pas avec Wizz Air. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, surtout abonnez-vous, les amis. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain sur ma chaîne Nathalie Favry pour un épisode de la vie de Matisse. Allez, bye bye tout le monde. Cause I wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back.